Ce qui devait arriver arriva! Je vous avais dit quoi? Gohan et CJ de l'Ultra, c'est officiel, on a beau le dire, j'ai beau vous dire, écoutez ce que je vous dis. Regarde, encore une fois. On avait raison. N'est-ce pas? Voilà, encore une fois. Incroyable. Incroyable, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il arrive. Ça fait combien de temps qu'on l'attendait? Incroyable, c'est officiel. L'ultra de Gohan CJ2. Masterclass, les amis. Je suis revenu exprès là parce que j'étais dehors, tout ça. Bim bim, caméra, tout ça, lumière, vas-y, vidéo, on est obligé de réagir. Bien sûr qu'on réagit. Donc, on va remettre les choses dans leur contexte. Hier, voilà, on a eu le compte des Legends officiel, comme vous pouvez le constater, sur Twitter, qui nous dit « Coming soon ». Et là, je dis quoi? C'est pour clôturer la saga Cell. Les amis, j'ai beau essayer de parler la langue de Molière, il y en a, ils ne veulent pas comprendre. J'ai beau dire les choses, ils ne veulent pas comprendre. Moi, quand j'ai vu ça, c'est le bouquet final, saga Cell. C'est quoi le bouquet final de la saga Cell? Gohan. Alors certes, c'est vrai que au bout d'un moment, je me disais, est-ce que il peut s'agir d'un Trunks Ultra, d'un Cell Ultra, etc. Parce que peut-être que, voilà, on pourrait même avoir autre chose, tu vois. Peut-être qu'ils vont vouloir étaler la saga Cell plus loin. Mais ça, tu vois, c'était il y a 2 semaines, quand on me demandait. Je disais, je sais pas et tout, mais ouais, moi j'aimerais bien le Gohan et CJ de Ultra. Je dis, faut attendre, on va voir comment ça se dégoupille. Et là, quand hier j'ai vu ça, Cell Saga Campagne, Coming Soon, en mode, ça va arriver. C'est le bouclier final. C'est quoi le bouclier final de la saga Cell? C'est pas Trunks. Oui, ça se termine avec Trunks quand il retourne dans son futur, etc. Oui, mais c'est Gohan Super Saiyan 2, le bouclier final de Cell. La saga Cell, c'est le bouclier final, Gohan. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi, hier? Gohan et CJ2 Ultra ou rien. Il n'y a pas de point d'interrogation. C'était hier, 15h30, 26 février. Gohan ou rien. Y a rien d'autre. Y a pas de... Non. Je vous ai mis le gif. Je vous l'ai mis. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Voilà. Eh ben, y en a un. Bon, Jonathan, je t'apprécie, frérot, parce que voilà, on a débattu. Soso, un Gohan ne peut pas sortir sans reveal and stuff. On aura une vidéo demain. Oui, au mieux, Toshi va parler dedans. Mais c'est tout. Sorry. Laisse-moi rêver. Je préfère continuer mes rêves, alors. Laisse-moi. Voilà. On a quoi aujourd'hui? Voilà. Laisse-moi rêver et écoute quand je parle. Voilà, tout simplement. Non. Alors, les amis, je troll, bien évidemment, etc. D'ailleurs, dédicace à toi, le frérot Jonathan, parce qu'il n'a pas été méchant. Il m'a donné sa théorie. Après, voilà, on a débattu un petit peu. J'ai dit, écoute, pour moi, voilà, je pense que ce sera le Gohan. Et puis, voilà. Alors, je vais vous montrer directement. Attendez, vous savez quoi? On va aller direct en grand écran. Hop. Voilà. On se met en grand écran, c'est quand même mieux pour accueillir le fameux Gohan. Alors, on va aller directement sur le compte JAP de DB Legends et on va aller voir la vidéo. Alors, la vidéo, attendez, parce que là, du coup, je vais devoir mettre un peu moins fort pour les droits d'auteur. Voilà. Incroyable. Alors, ils ont mis l'OST qui va bien quand il y a l'oiseau qui débarque et tout, le trait rouge, tout ça. Là, voilà. Et au début, j'ai dit, waouh, je vois Cell. J'ai dit, ok, non, ça va être Cell. Purée, j'ai fait erreur. Et là, incroyable. Incroyable, voilà, tu vois ou pas? Tu vois ou pas le délire là? Est-ce que tu vois ce que tu es en train de regarder? L'explosion de rage, le Super Saiyan 2 qui est arrivé dans le jeu des Legends en ultra, regarde-moi ça. Là, je suis... Les larmes, tu chiales, ils chialent, ils ont bien respecté, même en 3D, il y a les larmes. Il fallait les mettre. Regardez les pics. Regardez-moi ça. Kamehameha. Oh là 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 là. Eh, masterclass. Les amis, demain on paye. Demain on paye parce que oui, ça arrive demain matin. En ce mercredi 28 février. Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Regarde-moi ça, frère. C'est incroyable. Il est incroyable. Oh là 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 là. Pah ! Voilà, l'uppercut. Pah ! Le coup de coude. Bim ! Le kick. C'est ça qu'on demande. Et là, le gros Kamehameha. Et la posture. Le sourire arrogant. Le sourire de l'arrogance. Il est là.
le sourire de l'arrogance, du Gohan qu'on connaît, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans Super Super Hero quand il y a eu Gohan Beast, petit clin d'œil, tu vois, au Gohan Super CN2. Mais voilà, c'est autant vous dire que ça y est, moi je suis conquis. Voilà, tout simplement, je suis conquis. J'ai pas besoin de plus. Enfin, je dis pas besoin de plus. Maintenant, attention. Je suis obligé, en tant que passionné et en tant que fan de la licence Dragon Ball, je vais donner quand même mon avis. J'avoue, il manque juste une petite chose. La petite chose qu'il manque, les amis, je vous le dis, j'aurais bien voulu que ça se termine avec un Kamehameha Périfis. C'est la bémol. Voilà, c'est juste la petite bémol qui manque, à mon sens, concernant cet ultra. Mais, encore une fois, écoutez bien, on est le 27 février. Je sais pourquoi il n'y a pas le Kamehameha Périfis. Je le sais. Et je suis sûr que quand je vais vous le dire, au fond de vous, vous savez. Parce que, après, je vous dirai, je vous ai dit quoi? Parce que c'est simple. Tôt ou tard, il y aura les Ultra LF. Et si là, tu balances l'Ultra de Gohan avec un Kamehameha père et fils, comment tu fais pour l'Ultra LF après? Ben oui, ça voudra dire que dans 2 ans, dans 3 ans, peu importe, l'Ultra LF de Gohan SSJ2 arrivera. Avec le Kamehameha père et fils à ce moment-là, en Legends Limited Ultra. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc voilà, en soi, les amis, voilà, je troll un peu dans la vidéo, ah, je vous avais dit quoi et tout. Mais en fait, moi, je suis content parce que, au final, la plupart du temps, au final, quand je fais une théorie, ou quand on en discute en live ou quoi, vous me demandez un petit peu ce que j'en pense, même au travers de mes tweets, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est @sofianeledic. Eh bien, les théories s'avèrent justes. Et c'est ça qui est satisfaisant, c'est que on n'est pas, voilà, on n'est pas à la ramasse, malgré ce que certains peuvent prétendre quand tu balances une chose, tu vois. Ben, au moins, on n'est pas à la ramasse, et après, on peut lire. Alors, après, tu vois, il y en a, quand ils ont tort, tu sais ce que je veux dire, ils viennent, ils te trollent, ils ont tort, et ensuite, quand tu leur dis, je vous avais dit quoi, en gros, voilà, ils te disent, yo, tout le monde, ça se fait une clique. Hein, c'est qui? Voilà, donc, oui. Yo, tout le monde, ça se fait une clique, deuxième fois. Je dis gênant, c'est pas gentil. Voilà. Tes mains, on tombe sur quoi? Tu vois, quand ils savent qu'il n'y a plus d'arguments, l'argumentaire n'existe plus parce que j'ai raison. T'as pas voulu écouter, j'ai raison. Il te met ma photo de profil, il se fait une... Mais laisse ça. Ça y est, t'avais pas les compétences, t'étais pas qualifié. Laisse les pros faire ça. Laisse-nous en tant que professionnels, on s'occupe de ça. Lâche ça. Voilà, je sais pas ce qu'il voulait, mais encadre même ma photo dans ta chambre, je sais pas, fais comme tu veux. Il est magnifique. Il sort quand les épées, donc c'est demain matin, les amis. En fait, il est arrivé, ça allait faire 4 ans, c'était là, et ils l'ont fait, c'est ça. En fait, il y en avait beaucoup, ils disaient, non, mais il peut pas sortir hors célébration. Mais si, il peut. La preuve. Ils peuvent le faire hors célébration, c'est pas un problème. Il est claqué, moi je suis pas d'accord. Je vais tout mettre, mes cristaux, même la CB s'il faut. Fenyon, il savait, c'est pas possible, bien sûr, c'est pour ça. Les amis, il y a des subtilités qu'il faut aller voir. Et ensuite, vous comprendrez que quand je parle, je ne dis pas les choses pour rien. D'accord? J'essaye toujours d'aller m'informer. Et j'analyse. Et maintenant, je sais des choses. Donc, quand je parle, écoutez ce que je dis. Après, on peut être d'accord ou non avec moi. On attend et le temps laisse faire des choses. Voilà. Mais il a compris, Miko. Il a compris. Parce que, ouais, il a l'habitude en plus de me suivre et tout, donc dédicace à toi, frérot Miko. Par contre, je suis Deg qui n'est pas mis le Kamehameha père et fils. Ouais, je suis d'accord, je l'ai liké, je suis d'accord. J'avoue, petit Kamehameha, mais comme je vous l'ai expliqué là dans la vidéo, ça sera pour l'Ultra LF. Mais non, la dinguerie, Masterclass, mais le finish avec son père, c'était mieux. Ça, c'est pour le LF, les amis. Tiens, je like quand même le frérot Alex. Tiens, du coup, on a Jonathan qui a dit. Tiens, il a dit, pardon Soso, MDR, j'étais tellement sûr de moi, donc c'était hier celui qui me disait sur Twitter, comme d'autres personnes, non mais c'est pas possible, ils vont pas sortir un Gohan hors célébration, sans reveal and stuff, etc. Il m'a dit pardon Soso, au moins il a reconnu, tu vois, j'étais tellement sûr de moi, c'est mon perso préféré, je voulais faire de la psychologie inversée. Vont-ils me shaft pour me punir MDR? J'ai dit, ah, t'inquiète, pas besoin de t'excuser, chacun a ses théories. La mienne était bonne du coup, ça ne pouvait être que Gohan, sinon rien. Voilà. Mais ça, il n'a pas besoin de s'excuser, parce que, vous savez, j'aime beaucoup débattre sur Twitter. Et quand tu ne dénigres pas ou que tu ne manques pas de respect, c'est parfait. Tu peux être d'accord avec moi ou non, peu importe.
Là, tu vois, il est revenu, il m'a dit, ah, du coup, pardon, Soso, tu vois, t'avais raison et tout, parce qu'on a débattu hier, et voilà, c'est tout. Magnifique, le perso, il est stratosphérique, heureusement que j'ai skip le portail de Super Vegeta. J'avoue que là, ouais, voilà. Alors, ça va être compliqué, parce qu'un ultra, il n'y a pas de pitié, les amis, pas de pitié, pas de pitié, on verra bien demain, en tout cas, duel invocation contre Madame Luck Divine, ou pas, peut-être que ce sera moi, justement, qui aurai un peu plus de chance contre elle demain matin. On sort la vidéo duel invocation. Il nous faut le Gohan Super Saiyan 2, les amis. Active la cloche pour recevoir la notification dès demain matin. On va pas être là pour rigoler. On veut le Gohan. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et active les notifs, du coup. Et like en mode Genkidama. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer sur vous.